Salut, salut, je veux démarrer mon programme DS4 et je vous présente rapidement comment cela se fait. Le DS4, tout le programme est écrit dans ce livret. Et il y a une page qui vous aidera à avoir tout le programme. Je vais dire deux pages. Les voilà. Ces deux pages vous indiquent ce que vous devez consommer. Jour 1 et 2, jour 3 et 4. Parce que les consommations sont presque identique pour ces deux jours. Il y a juste une toute petite nuance que vous verrez dans le document. De quoi ce pack est fait, mais avant de vous dire de quoi c'est fait, parce que de quoi c'est fait, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que vous allez ressentir à la fin. Alors moi, je ne ressens rien actuellement. D'accord, je suis hyper musclé, mon ventre est bien aplati et aussi musclé. J'ai un ventre de Cristiano Ronaldo, mais je sens comme une certaine lourdeur dans la tête. Je sens comme si mon véhicule, mon moteur est encrassé. Vous savez, quand vous roulez votre moteur pendant un temps et vous ne faites pas la vidange, si vous êtes attentif, vous sentez que le moteur ne répond plus bien. Eh bien, nous venons de finir une année. On est en train de s'apprêter à rentrer dans une nouvelle année. Il est de bon ton que l'on refasse le reset. Donc, je fais le DS4 pour récupérer mon niveau de concentration le plus élevé, pour avoir ma tête encore plus légère, donc mes idées totalement fluides. Je fais actuellement de la rédaction, je fais de la communication tous les jours. Je veux être davantage concentré dans ce que je fais. Je veux être plus smart, hein, plus intelligent au terme de ce programme. Voilà ce que le DS4 va m'apporter, voilà ce que j'attends du DS4. Et ce n'est pas la première fois. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis en train de manipuler ce programme. Et croyez-moi, je suis l'un des plus grands vendeurs du DS4. L'un des plus grands vendeurs, simplement parce que la plupart de mes protocoles que les gens adorent, il y a le DS4 dedans. Parfois, les gens n'ont pas le DS4 dans leur pays. Ils font tout pour aller l'importer d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier de cela. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je prie pour que vous l'ayez, parce que ce produit, ce pack, il m'arrive d'en manquer. Mais quand je n'en ai pas, je ne sens pas bien, quoi. Parce que c'est vrai que quand ça n'existait pas, on vivait. Mais à quoi ça sert de disposer d'outils d'optimisation et de continuer à s'en passer? Eh bien, il y a le Sensatiable, qui n'est pas le premier produit à consommer, mais c'est des comprimés. On peut en consommer jusqu'à 8 par jour. Prenez de façon espacée un comprimé. Vous mangez, vous prenez le temps de manger le comprimé et vous buvez un verre d'eau. Tout à l'heure, je vais préparer le liquide qu'il faut boire, l'eau qu'il faut boire. Je vais préparer ça devant vous, vous allez voir. Ok, ça sentait bon. 8 comprimés par jour à étaler sur toute la journée. Ok, je faisais l'erreur de prendre 4-4 quand j'ai faim. Non, n'attendez pas de sentir la faim. Il faut planifier peut-être toutes les 2 heures prendre un comprimé et boire un verre d'eau. Ça va vous aider. Alors, vous avez le thème plus. Il y en a 3 fois 4. Donc, tout à l'heure, je vais consommer le thème plus. Il y a le duo pur. Il y a le duo pur. Il y a le multifiz. Le multifiz qui se retrouve quelque part vers 16h là-bas pour faire une petite collation. D'accord, effervescente. Ce n'est pas doux. Hein. Quand je voyais le truc bouillonner, moi j'aime le goût sucré. Mais croyez-moi, consommer comme ça. Ok? Consommer comme ça et puis laisser les effets vous venir. Par contre, celui-ci, le Lemon Blast, j'attends avec impatience l'heure de prendre le Lemon Blast. Et je suis pressé que le Focus Forever commence par vendre le Lemon Blast de façon isolée. Le Lemon Blast, ça vous apporte du pimenté, du chaud. Non, c'est vraiment agréable. J'adore ce moment. Il y a 4 sachets, ok, un sachet par jour. Nous avons 4 mini alloués. C'est utile de vous les montrer. Pour pas que je donne l'impression d'être en train de vous présenter des trucs vides. Je veux commencer effectivement. Il faudrait à améliorer les choses. Hein. Désormais, c'est comme ça. Avant, on ouvrait, on enlevait, mais maintenant, on ouvre et puis voilà. Là, fait le premier, le deuxième. Le troisième, ah oui, j'avais ouvert un peu le quatrième. Donc, il faut que je ferme bien. Voilà. OK. Qu'est-ce que l'on fait? Comment on prépare
comment on prépare les boissons. Alors, j'ai pris 2 litres. Les contenants des bidons, c'est 1 litre. Donc, c'est des bidons vides qui contiennent de l'eau. C'était rempli. J'ai rempli les 2 bidons. Et j'ai vidé une partie de chaque bidon dans ce 3e bidon. OK? C'est pourquoi j'ai pris une autre couleur pour me retrouver. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir celui-ci parce qu'on demande de préparer 2 litres de boisson avec ceci. Mélanger dans 2 litres d'eau. OK? Mélanger dans 2 litres d'eau. Donc, je vais vider une partie dans celui-ci. Voyez bien. Une partie dans celui-ci. Et une partie dans le deuxième. Je vais laisser juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Normalement, on doit mettre des parties égales. Hein, si c'est les quantités égales d'eau qu'on a libérées. Maintenant, je vais compléter avec ceci. Rien ne sera perdu. Je complète avec ça jusqu'à remplir. C'est vrai que quand je remplis entièrement, ça dépasse 1 litre. Parce que c'était 1 litre d'aloe qui était dedans. Je complète de l'eau. Il y a l'impression qu'il y a plus de quantité d'eau ici, mais ce n'est pas grave. Je vais tout boire. Tout va finir par rentrer dans mon caniveau. S'il était un caniveau, ce serait bien. Mais même le caniveau s'encrasse. C'est le vivant qui est là. Il y a de nombreuses cellules qui ont un cycle de renouvellement très court, 4 à 5 jours, qui attendent de recevoir leur dotation. Alors, je vais mettre le dernier ici. J'allais en laisser un tout petit peu pour être sûr que le mélange, il est équitable. Normalement, ça doit prendre toute l'eau. Hein. Parce que j'ai vidé ici, j'ai réparti là-bas. Ça doit prendre. Et ça a pris. Voilà, j'ai préparé mes 2 litres de boisson. C'est ceci que je boirai en premier. Alors tout à l'heure, ça s'est versé. Là, je n'avais pas fermé. Voilà. Donc, vous voyez, on ferme. Mais quand vous appuyez, ça tourne encore. Okay? Et quand on ouvre d'abord avant de faire cela, on ouvre et puis ça sort. Il faudrait bien travailler. C'est cool, quoi. OK, donc, voilà, je peux boire à même ceci parce que je vais tout vider. Sinon, il ne faut pas mettre ça à la bouche. Il faut servir dans un verre. Parce que si vous laissez, ça peut se contaminer. C'est vrai que ce n'est pas un bon exemple. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas le faire. Même si c'est autre chose qui est dedans. Parce que les enfants voient et ils copient ce que nous faisons. Donc, je vais me servir dans un verre. C'était une démonstration que je voulais vous faire. Voilà. Et puis, l'aloe mini, on peut le vider d'un seul coup. Hein, donc, ce n'est pas si grave. Mais quand les gens vont te voir faire ça avec ce petit flacon, ils voudront le faire avec le grand flacon. Et ce n'est pas joli. Voilà. Mais avant de commencer le programme, je me suis pesé très tôt le matin. J'ai pris mes paramètres. OK. Et voilà, je vais vous laisser déguster avec moi. Ah, mais je n'ai pas présenté le plan protéine. Plan protéine qui va être l'essentiel de la nourriture que je vais prendre. Donc, je vais élaborer de belles collations, de beaux substituts de repas avec Forever Plant Protéine et avec du lait végétal ou pas du lait du tout. Je préfère utiliser simplement de l'eau parce que je sais que tout ce dont mes cellules ont besoin se trouve dans ces produits-là. Donc, le reste, c'est avoir le contrôle. Est-ce que je communique? Parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne mange pas certaines choses, on ne se mourit pas. C'est justement l'exercice, ça. S'assurer
que l'on comprend, que l'on reprend le contour. On mange consciemment. Merci et à tout à l'heure.